dire quoi, vie étudiante? La vie étudiante, c'est on les intègre et puis on leur permet d'avoir une vie à côté des cours. En fait, le plus important, c'est pouvoir intégrer un gros esprit d'équipe au sein de l'école et ressortir avec de beaux souvenirs et même des amis pour la vie, on sait jamais. Combien d'associations et clubs à l'école? Beaucoup. Non. Beaucoup trop. Alors on a 7 associations, loi 1901, et une vingtaine de clubs. BDE, Bureau des étudiants, qui fédère l'ensemble des associations de l'école. BDA, Bureau des arts. C'est BDS, Bureau des sports. Et on permet à tous nos étudiants de participer à la vie de ces assos et pour s'épanouir d'un point de vue musical, sportif, entrepreneurial, humanitaire, écologique, toutes les thématiques qui leur permettent de devenir de belles personnes dans la société. Ah, le week-end d'intégration, c'est mort, non, on n'en parlera pas. week-end d'intégration, c'est un des meilleurs moments de début d'année, c'est le week-end où en fait on est tous ensemble, où on apprend à se connaître, c'est vraiment le moment de partage le plus intense de l'année. Est-ce obligatoire de choisir une asso? Non, absolument aucune obligation. Non. La vie associative au sein de l'école, c'est l'occasion de prendre des engagements, avoir des prises d'initiative, s'intégrer dans une association, c'est l'occasion de travailler en équipe, de savoir gérer des conflits, de savoir gérer des projets, de communiquer avec les autres. Donc il n'y a pas une obligation, mais c'est vivement recommandé. Les moments forts de l'année. Ouf. La journée des associations, évidemment, où on présente à tous les étudiants la vie associative de l'école. C'est le moment où nous, associations, on est là pour recruter les jeunes. Donc la journée de remise des diplômes, c'est un aboutissement pour tout le monde. Et on partage un super moment avec les familles, les étudiants et toute tout le corps administratif, professoral de l'école. Un truc qu'on a oublié, c'est la soirée de gala. Toutes les filles, elles sont en jolies robes, elles sont tout beaux en costume. Alors ça, c'est secret. Vous pourrez voir le directeur danser. Et ça, c'est aussi un très bon moment. Les réussites et les victoires. Ah. La plus belle réussite qu'une école d'ingénieurs puisse avoir, c'est de savoir que l'employabilité de nos étudiants frôle les 100%. La plus grande victoire qui symbolise beaucoup de choses, c'est déjà intégrer l'école. Ça m'a montré que j'avais les capacités d'intégrer une école d'ingénieurs et de pouvoir réaliser le métier que je souhaite faire plus tard. Voilà. Ça, c'est une belle victoire. Est-ce qu'il y en a pour tous? Il y a vraiment pour toutes les passions, que l'on pratique de la musique, que l'on soit un sportif. On a Isen Streaming qui s'est créé cette année, qui vont faire des lives sur Twitch ou ce genre de choses. Tout le monde peut exercer ce qu'il aime au sein de l'école. Les plus des campus. Ah, ça rime. Que ce soit pour notre campus de Nîmes, de Marseille, de Toulon, les trois campus sont idéalement positionnés, proches de toutes commodité pour que nos étudiants aient accès au transport en commun, au logement, au commerce, à la restauration qui est très présente. Si on parle un peu de l'intérieur des campus, on a des salles extrêmement bien équipées. On a des Fab Labs, un Fab Lab à Nîmes, un Fab Lab à Toulon. Comment se passent les soirées du jeudi soir? Madame, je vais vous demander de vous boucher les oreilles. Plus sérieusement, on a vraiment le BDE, Bureau des étudiants, on en parlait tout à l'heure, qui organise, qui met en place tout ce qui est possible. Ça peut être des soirées plus calmes ou alors des soirées plus dansantes. Pour les sportifs et les musiciens de haut niveau, il y a effectivement des aménagements d'emploi du temps. On leur permet d'avoir un équilibre entre leur engagement sportif musical et leurs études. Évidemment qu'on les accompagne. Peut-on s'investir dans plusieurs associations? Je crois que tu es un modèle vivant. Évidemment. En fait, ce qui est bien, c'est que nos jeudis après-midi sont libres. Et du coup, on peut participer à plusieurs associations. Ton meilleur moment? Vas-y, je te laisse. Oula, y en a plein. On avait fait une journée d'intégration pour les premières années entre nous. On était partis sur l'île de Porquerolles. Ça, c'était magnifique. Des paysages à couper le souffle. Enfin, les amitiés que j'ai liées ce jour-là, elles sont encore d'actualité. Donc, comme quoi, ça sert toujours. Le meilleur moment, ça reste pour moi la remise des diplômes. De voir aboutir des étudiants qu'on a intégrés ingénieurs, accompagnés de leur famille, de leurs copains, de toutes les personnes qui leur sont chères. Et finir par la soirée de gala. C'est un bel aboutissement. C'est vrai que quand on voit des amis réussir, je crois que c'est un des plus beaux bonheurs du monde. C'est très beau.